triangle de Rocancourt. Il est quelle heure? Je sais plus. 22h22, toujours le même triangle de Rocancourt. J'ai dû bouger de 10 mètres depuis la dernière fois. En fait, je sais pas si on voit, on est là. Là, et le triangle, voilà, il faut prendre ce virage-là. Et voilà, on ne bouge pas. Alors, je vais tourner un peu le moteur pour me réchauffer. Ça roule un petit peu sur les voies parallèles. Et encore, je viens de téléphoner à la gendarmerie. J'ai fait le 17, à la police. Et ils m'ont dit, monsieur, on ne constate rien. Nous ne sommes pas au courant. Il n'y a pas d'encombrement, pas de blocage. Prenez patience, ça va s'arranger tout seul. Suspense. Non, c'est un chasse-neige. Magnifique, mais alors le chasse-neige ne peut pas passer parce que toutes les voitures bloquent. Voilà, le chasse-neige ne peut pas passer. Ah, qui est bloqué alors? Ben, je sais pas ce qui va se passer, on n'a plus qu'à attendre. Réussi enfin à passer. Ah oui, mais alors c'est bien, il racle l'autre voie, la voie d'arrêt d'urgence, et il nous laisse bloquer. Ah bah très bien. Donc c'est pas pour nous. Voilà, il est 23h maintenant. Et un humeur jaune. Non, c'est pas lui qui va nous aider. Devant un taxi qui m'a doublé. Je devais m'être endormi un petit peu. Ah, qu'est-ce qu'on entend? Magnifique! Magnifique! Enfin la police! Formidable. Il y a d'autres feux clignotants à l'arrière. Est-ce que mon coup de téléphone aurait servi à quelque chose? Il est tout de même 23h04. Oh là là! Quel déploiement! Les pompiers, peut-être l'armée. Ah, une ambulance cette fois. Encore un autre véhicule avec des gyrophares jaunes qui arrivent. Mais il est coincé. Humer n'est pas allé bien loin, si le voilà qui repart. Ça roulerait mieux toujours sur ces deux ou trois autres fils que sur le nôtre. J'ai pas bougé de plus d'un mètre depuis au moins une demi-heure. Ah, de l'aide, enfin de l'aide. Alors, où en sommes-nous? 23h22, on a fait 150 mètres. La police est donc passée. Et en face, ça a l'air de glisser. Dans le virage, quand même, les automobilistes sont assez prudents. Ah, en voilà un là qui se risque à faire du 60. Bon, ben, on avance lentement, très très lentement. Apparemment, les camions ont été parqués de force. Je pense que la police, j'ai vu la petite estafette de la police s'arrêter. Ils leur ont dit vous arrêtez là, vous n'allez pas plus loin. Bon, patient. Blague mise à part, il est tout de même minuit moins le quart. Je sais pas, je dois être coincé là depuis 2 heures à peu près. Il est plus de minuit 4, il est temps de faire un petit point. On a avancé d'une centaine de mètres, on se rapproche des panneaux.
Peut-être que vers 2h, 3h du matin, on pourra prendre la 13. Il y a un gros camion arrêté. J'ai raté, mais une petite dépanneuse de camion, de poids lourd, vient de me doubler. Ça laisserait supposer qu'il s'agit d'un camion en panne, enfin du moins coincé par la neige. Voilà, voilà, on est juste sous les panneaux. Oh, bon, il aura fallu une heure à peu près pour faire 500 mètres, c'est bien. Après, se décoincer, serait-ce la bonne? Il y a là-bas des feux clignotants jaunes, mais c'est pas ça qui nous arrête. Un camion qui serait coincé dans la pente. Je vois pas pourquoi ça bloquerait en direction de Rouen. Préparez-vous à prendre l'autoroute à 800 mètres. Le GPS est d'une patience. Voilà peut-être le responsable, mais enfin c'est un petit camion. Non, je sais pas trop ce qui se passe par là-bas. On ne saura jamais. Et de notre côté. Alors, voilà le point délicat. Dispute-les. C'était une voiture en panne qui bloquait tout le monde. Une seule voiture. C'est pas possible. Voilà le responsable. Une voiture en panne. C'est pas vrai. Est-il? Ah, il y a une autre voiture coincée un peu plus haut. Il y a eu plusieurs voitures coincées. Il est quand même minuit 17. Voilà aussi une des responsables, alors, carrément dans le fossé. Je ne sais pas si on la voit. Alors on est maintenant sur la 13. Et les conditions sont pas fameuses. Oh là là, la décongère. Je sais pas si un chasse-neige est passé, peut-être, c'est pas sûr. Les camions sont sur les deux voies. On roule à combien? 26 km/h. Je suis pas prêt d'arriver. Voilà, on roule à nouveau au pas. 6 km/h sur la 13. C'est pas possible, c'est pas possible. Et on s'arrête. Voilà. Et on s'arrête de nouveau. Et il est minuit 25. Bon. 1h05 du matin. J'en ai marre. Les chiens aussi. Jean n'en peut plus. Nico roupille. Il a bien de la chance. Je sais pas combien de temps ça va durer encore. J'en ai ras le bol. Je sais pas tellement où je suis. Je dois être à 6 km de Poissy. Enfin, de l'embranchement avec la A14. C'est une catastrophe. Je suis parti à 15h. Ça fait combien ça? 15 août de 24-9. Il est 1h du matin, ça fait 10h, je suis parti. Alors, 2h du matin, toujours sur la 13. Ça repart. J'ai essayé de roupiller un petit peu, mais bon. Au moment où je commençais à m'endormir, la circulation a repris. C'est une véritable patinoire. Je pense que ce côté-là a été salé, contrairement à l'autre côté. Dès qu'on freine, hop,
70. Je me demande comment va se faire la descente vers Chambourcy. Bon, ça continue à rouler doucement. En fait, la voiture avance toute seule. Il y a des petits malins qui roulent sur la bande d'arrêt d'urgence. J'appréhende la descente, il doit y avoir des véhicules en travers, à moins que des équipes soient en train de saler, je ne sais pas. Ça y est, c'est de nouveau arrêté. 2 h du matin, pile. À plus tard. Ah, j'ai changé de fil, quelle heure est-il maintenant? 2 h 22, c'est une véritable patinoire, et la saleuse apparemment est en face. C'est intéressant. Oh là là. Oui, ça glisse vraiment. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en panne, elle patine la saleuse. Elle glisse sur le verglas. Mettre un petit coup d'essuie-glace pour qu'on la voit mieux. Ah, c'est passé de ce côté-là. Attention. Ah, il y a tout de même quand même les services de la DDE. Il y a quelques voitures de police.